monde, aujourd'hui, donc nouveau petit tutoriel, rapide juste pour vous montrer, pour une copine en fait, comment je fais, là, pour essayer de vous montrer. Voilà, donc j'ai réalisé ça pour un concours sur le forum Montfimo. Donc le thème c'était Disney, et du coup j'ai fait Marie des Aristochats. Voilà, et en fait je voulais lui montrer surtout comment j'ai fait le museau en relief, comme ça, je sais pas si vous voyez, ça dépasse un petit peu. J'ai du mal avec la caméra. En fait, normalement j'ai une caméra normale et là je voulais filmer avec ma webcam parce que ma caméra ne démarre plus. Donc voilà, Sandra, je vais te montrer comment j'ai fait mon petit museau. Voilà, donc j'ai malaxé ma patte. Donc on va essayer de refaire le petit museau qu'on voit là sur Marie des Aristochats. Voilà, c'est pas non plus de la 3D énorme, hein, mais ça permet de faire. Un petit visuel et qu'on voit qu'il y a du relief. Donc, on a notre boule de pâte. Voilà. Et en fait, l'outil indispensable, c'est un pinceau en silicone. Hop, voilà. Donc, on dirait de la gomme. C'est un pinceau qu'on trouve dans les boutiques de loisirs créatifs, au rayon en général art. Je sais pas à quoi ça sert en temps normal. Mais moi, ça me sert vachement pour lisser la pâte, pour éviter de faire des démarcations et pour faire donc des effets comme celui-là. Donc j'en ai acheté 4. Je les ai trouvés dans une boutique d'art à côté de chez moi. Donc il y a 4 formes différentes. Donc il y en a un biseauté comme ça, avec une face plate. Un avec un angle. Je sais pas si vous voyez bien. Si, non, c'est bon. Un donc avec un cône. Tac. Et donc celui-là qui a une tranche plate. Hop. Comme ça, voilà. Donc on va utiliser celui qui a la tranche plate. Je vais essayer d'avoir une boule jolie et uniforme. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, j'espère que vous allez bien voir. J'ai poussé ma patte pour faire le relief, donc du museau. Et après, j'ai lissé. Voilà, donc je sais que tu voulais faire un Winnie l'ourson, mais je pense qu'avec ça, tu auras le résultat que tu cherches à donner, quoi. Donc, après, avec un petit coup de ponçage, eh ben, on ne voit plus rien et ça rend très bien. Voilà, tu n'as plus qu'à rajouter la boule, enfin la couleur du nez. Tac, voilà, hop. Je sais pas, normalement, vous voyez bien le relief. Donc ça fait vraiment l'effet museau, quoi. Après, on peut éventuellement pointer, finir avec les doigts pour que ça se voit moins, lisser avec les doigts, reformer la boule. Voilà, et on a une tête de nounours, une tête de chat, une tête de chien, un peu ce qu'on veut. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé et que ça en aurait aidé d'autres. Voilà. Si vous avez des demandes de tuto comme Sandra, eh ben, n'hésitez pas, hein. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. À bientôt les filles!